positif. Le taux d'immunité est plus de 80%. Ah, le taux d'immunité. On a une très grande agglomération de VIH. Ah, l'expert est en train d'expliquer quelques données. Et on va continuer exactement là où on a arrêté hier. Ça veut dire qu'on va essayer de débloquer du côté est vers l'ouest. Alors qu'on travaille de l'ouest à l'est. Mais du côté ouest, on voyait une formation de nuages. Et puis on va tirer dessus en plus pour fermer toute la plaque sur le lac. Oui. Et puis on commence dans de bonnes conditions parce que... Voilà. Donc l'expert confirme. Confirme. La positivité de la situation. Septième journée de notre expérience. Je vous dis une chose, que la conclusion d'hier, c'est-à-dire les transitions qui réunissent pour pouvoir provoquer de la pluie, il manquait quelque chose, c'est la condensation de l'hiver et le taux d'humidité qui n'a pas atteint son niveau passé. Donc ce matin, nous confirmons à l'expert que les conditions sont très favorables au début de l'expérience de ce matin. Il y a présence de nuages alors que les autres jours, c'était le ciel vierge. Il y a des nuages. Donc, nous essayons de faire le maximum, même de renforcer. Nous attendons un renforcement par la batterie qui est en cours de convection. Et d'ici une heure, cette batterie sera mise en place pour pouvoir renforcer notre expert. De me dire une information qui est très importante, il faut dire qu'il y a deux appareils qui sont orientés aujourd'hui vers l'est, c'est la décision de l'expert, et pour pouvoir les orienter donc à l'aide de la boussole, l'expert s'est mis à la place qu'il faut et il n'a pas pu parce qu'il y a un champ magnétique très très important. C'est pour cette raison qu'il est à la recherche. Il essaie de s'éloigner des deux appareils pour pouvoir orienter ses instruments. Donc, moi je pense que, et d'après lui, toutes les conditions sont favorables. Nous essayons, il est 9h20 du matin, nous essayons de continuer notre expérience en souhaitant qu'elle va réussir, Inch'Allah, Lyon. Alors voilà l'installation de l'équipe, de la délégation. Toutes les dispositions sont prises. Le soleil. Voilà, le lac. Très calme. Quelques rides. Quelques rides. Et nous pouvons déjà commencer à voir le matériel qui est en place. Orienter direction est pour le moment. Pour le moment, la situation encore nuageuse. Nuageuse, donc on voit bien les nuages. Voilà, quelques nuages blancs. Voilà. Et maintenant, on va approcher un peu le matériel pour voir la composition. Donc on voit la lunette d'énergie ou bien le convertisseur d'énergie confectionné par l'expert, monté sur un trépied, comme nous l'avons déjà dit, hein, un tube en PVC, orientable, et relié à un câble électrique qui lui-même est connecté à une barre d'acier plongé dans le lac, dans cette position que nous verrons tout à l'heure. Voilà. Donc le deuxième appareil confectionné localement, toujours même système, trépied, tube en cuivre de 2,50 m de longueur, nombre 10, assemblé judicieusement sur des plaques en bois. Donc, chaque tube est lui-même raccordé
montage en série, par un montage en série de tous les tubes. Donc le câble, nous pouvons le voir. Deux appareils sont orientés dans la même direction pour cette journée. Pour cette journée, donc nous voyons bien le câble de connexion, un câble électrique simple. Et nous allons voir la connexion par raccord, par emplacement de soudure. L'emplacement de soudure, on s'est contenté de collier de serrage. Et un montage en série. Montage en série. Voilà. Le tout relié au câble électrique. Donc on donne une image sur l'appareil lui-même. Orienté. Voilà. Alors, là, nous allons voir la connexion, la barre d'acier plongée dans le lac. Donc liaison câble, voilà, les deux câbles arrivent sur la barre d'acier, ils sont connectés. La connexion. La barre elle-même plongée sur la rive du lac. Alors là, le troisième appareil que nous venons de transporter, qui a été confectionné la veille, constitue lui aussi de 10 tubes de 2,50 m, avec un assemblage par des plaques en bois. L'expert vient de l'installer directement dans l'eau. Donc là, on voit bien que le procédé change, que les tubes sont directement plongés dans l'eau. Et il semblerait que c'est pour accentuer l'influence de l'attraction ou la conversion de l'énergie spatiale. Donc, Monsieur Benguidesh donne encore quelques explications. Pardon. Donc, l'équipement qu'on a mis en place au-delà, c'était une batterie. Une batterie de 10 tuyaux, donc, vont encore renforcer. Et là, cet instrument sera utilisé pour pouvoir concentrer les nuages uniformes. Ça crée un champ magnétique uniforme et ça essaie de donner des nuages sur le lac proprement. Voilà encore un équipement pour pouvoir renforcer. Moi, je pense que c'est l'instrument. On a tout renforcé. En effet, on ne peut que attendre. Il est 10h25, donc on va patienter. Il est 13h30, donc on a déjà signalé sur l'exposé la formation d'un cumulus dans la direction est que l'on voit. Direction est, direction sud-est, le temps est couvert, ainsi que la direction sud-sud, découvert, sud-ouest, direction sud-ouest, ouest, un petit peu vers le nord-ouest. Le nord, le ciel est dégagé. Donc l'expert est en train de procéder à un petit changement de direction de la lunette. Toujours aux environs de 13h30, le vent se lève, donc le lac se ride. On voit bien. Le lac se ride. Nord-ouest. Notons encore une fois la direction.
se vous dépêche à vous. Il est 13h30, donc toujours sur le 7h30. Et depuis une demi-heure à 40 minutes, nous observons encore une fois la vivacité de l'eau, un vent qui souffle de l'ouest vers l'est. Et si on voit le ciel, nous pouvons dire qu'au niveau de l'ouest, le chargement est un peu éloigné, en nord moins, mais on voit la formation de cumulus sur l'île de l'est. Les deux appareils se font lancement des nuages. Donc l'expert est toujours à côté des appareils pour les orienter et attirer les différents nuages. Donc la formation de l'eau est assez importante. Et l'expert est en train de l'agrandir et de le faire rapprocher. Voilà pour ça. Nous sommes en train de vivre une situation très très avancée, très très développée, dans le sens sur le ciel, une grande partie est noire, sur le lac carrément. Là, on voit beaucoup de nuages assez consistants. Et de ce côté, on voit. Ce qu'on essaie par les appareils, de les augmenter et de les faire condenser entre eux. Et si par exemple le soleil disparaîtra et les nuages vont se concentrer, on peut s'attendre à une provocation. Pour ça, on est attentif. Maintenant, on est plus qu'attentif à la situation parce que on souhaite obtenir le résultat. Il est exactement 14h, la 7e journée, 23 août 1999. الكيميلس التي لو تفسر هذا نكونها ونكبرها وكما نشاهد في هذه المنطقة كان السماء زرقاء ولكن الآن يتغلق حتى يغطي الشمس. Le temps est devenu de plus en plus humide. Et il est 15h10. De pluie. Mais d'après l'expert, à quelques kilomètres à l'ouest de la retenue, il pleut d'une manière assez intéressante. Et on entend même l'expert lui-même, il prétend entendre du tonnerre de l'autre côté. Seulement au niveau. Seulement au niveau. C'est là-bas qu'il est en train de pleuvoir. Voilà. Au niveau local, il faut dire une chose, que la retenue est devenue très très vivante
le vent est assez fort et on a même enlevé notre parasol. Voilà, je reçois les premières routes. Et au niveau est, il y a un seul mythe sur les nuages que l'expert essaie de d'entasser, de ramasser, pour monter de la sur le lac. تكون ناجحة هذه النتيجة إن شاء الله. هاي من النوم بدأت تسقط بالقطرات وراهي تجي وراهي إن شاء الله تكمل عندنا في الساق. Alors malgré la diminution de l'intensité ou la bourrasque de vent qui est passée, nous remarquons toujours les vagues sur le lac. Des vagues très remarquables, visibles, nettes. Voilà, donc de grosses vagues. Maintenant, il est 17h20, 17h20. Voilà, nous sommes prêts pour le départ vers Vincent. À ce moment-là, on constate qu'il y a encore un coup de vent. Le temps est ombragé. Le ciel se recharge. Le ciel se recharge. Un temps orageux, purement orageux, sur toute la région du lac. On voit le vent qui se lève. Encore un coup de vent, Le départ de Bayern. Dernière rue sur la tour. Le lac. La petite barrage. شهدت ولاية تلمسان خلال هذه السنة تهطل كمية معتبرة من الأمطار لم تشهدها منذ سنوات، وهو ما ساهم في ارتفاع منسوب المياه بالسدود الخمسة المنتشرة عبر إقليم الولاية. السنة تعتبر سنة استثنائية، حيث لم نسجل يعني تهطل أمطار بهذه الكمية. سجلنا على مستوى سد المفروش 1051 ملم. هذه الكميه لم نسجلها منذ 40 سنه، لم نشهد هذا التهطل الامطار، ولهذا في ان خمس سدود على ولايه الانسان مملوءه 100%. فلاحو الولايه يستبشرون خيرا هذا الموسم، التقينا بهذا الفلاح العائد من مزرعته واليكم افضل دليل. نشوف خير كيفاش داير؟ 2 3 4 5 6 7 8 9. الله يبارك. بارك الله. شوف نود العام لاباس الخير، غير اللي ما بغاش يخدم. نو عام زين قلت لك. هذا العام شو الخيرات كي داير؟ حمص، زرع، قمح، خيرات تاع ربي. سطحت بزاف النو. النو ياسر هذا العام. الامطار التي تهطلت مؤخرا بتلمسان تركت ارتياحا لدى الفلاحين، ويتوقعون موسما فلاحيا ناجحا بالنظر الى كل هذه الظروف.